à l'endroit de tous les auditeurs de Radio Fantasy et surtout des habitants du Bois. Mais bien avant, nous allons demander à Kaïdera de nous soutenir avec sa bande d'annonce. Je suis le maréchal, le prophète Joël Strasso. Je prophétise que je déclare que cette année, on verra l'année de la victoire qui s'est réunie. Et bien sûr, je sera de quel sort que ce grande veillée de prière et de délivrance à Faropo, sous-préfecture de Iri, de 20h à l'aube, thème où est-ce qu'on règne. Ce vendredi 20 février 2015, avec le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Sasso. Samedi 21 février 2015, à partir de 20h à 10h. Consultation et délivrance sur les problèmes de mariage, de commerce, d'envoûtement, de maladies incurables, de sorcellerie, au cabinet de cour situé au quartier Plateau, carrefour député, derrière la CNCF. Dimanche 22 février 2015, grand cours au cabinet de cour et de délivrance du juge spirituel du maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Plateau. Population du Nord du Bois, venez assister à ce grand programme du maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Strasso. Si vous donnez un problème, 32, 76, 38, 90, 47, 27, 23, 28. Eh bien, merci beaucoup. Vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes bien sûr sur votre fréquence, la fréquence du bonheur, la radio qui rapproche les hommes. Prophète Krasso, bonjour. Oui, bonjour. Shalom. Est-ce que ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, que nous voulons le maréchal de la brigade. Allez, maréchal, quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. Il faut dire qu'il y a un grand événement ce soir. À Zaroko, nous aurons une grande veillée. Il faut dire que depuis le mois de décembre, il y avait une pause par rapport à l'organisation. Nous démarrons la nouvelle année, nous démarrons sur nos activités. Donc ça fait maintenant sur trois vendredis, nous avons démarré les veillées à Zaroko. Ce soir, à partir de 20h, nous aurons une grande veillée à Zaroko où le ciel va descendre pour avec des paquets pour vous accorder le mariage, pour vous accorder la prospérité, vous accorder la délivrance véritable. Vous allez recevoir l'évangile de Jésus-Christ dans lequel il y a le salut véritable parce que Jésus-Christ sauve et vous aurez une délivrance. Si tu es poursuivi par des sorciers qui ne veulent pas te lâcher, ils ont bloqué ta vie, tu as une maladie incurable, ne rate pas ce soir, viens à Zaroko, c'est dans la sous-préfecture d'Iré. Vous rendrez à Iré, vous demandez la garde de Zaroko, et vous rentrez à Zaroko, je suis le chef de tribu de ce village, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vous venez à cette veillée, vous allez voir comment Dieu va vous délivrer. Et maintenant, désormais, tous nos programmes, c'est des concerts, parce que la louange apporte beaucoup de choses. Nous aurons tous les musiciens au complet, ça sera même un concert en live. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cette veillée, nous aurons le tournage de mes deux derniers clips. Voilà, nous aurons le tournage des deux derniers clips. Donc, venez vous qui avez des problèmes de sorcellerie. Et c'est ça que je te parle, toi, maman, qui assiste quelque part, qui est en train de m'écouter. Tu vois que l'avenir de tes enfants est bloqué, tu ne comprends plus rien. Ton foyer est menacé, tu ne comprends plus rien. Tout est bloqué par rapport aux études de tes enfants. Ne t'assois pas, lève-toi pendant que tu es en train de m'écouter et cherche à avoir un transport via Zaroko parce que Jésus-Christ a quelque chose pour toi, quelque chose à faire. Tu es menacé par les sorciers, tu n'arrives plus à dormir. Ils ont déclaré la médecine que ta maladie est incurable et quelque chose peut se produire ce soir. Ne ratez pas cette veillée de prière, c'est à Zaroko le thème. Dieu t'a oué pour régner. Et Dieu t'a choisi. Oui, tu avais dû choisir. Venez, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la guérison et la délivrance. Vous le savez très bien, le maréchal de la brigade de l'anti-sorcier que je suis, je ne suis pas sur l'antenne pour faire des blabla. Et j'ai des preuves de la démonstration de la puissance de Dieu. Venez pour que vos sorciers qui ne puissent les mettre au pas. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le programme démarre effectivement à partir de quelle heure? Oui, le démarre à partir de 20h. Nous démarrons 20 ouais, avec la musique, tout le programme à partir de 20h jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Oui. Et le lendemain samedi, demain samedi, à partir de 16h, nous démarrons un programme ici à Divo, à mon centre d'écoute et de délivrance,
à partir de 16h, nous allons démarrer les séances d'écoute, ce qu'on appelle les consultations. Et après ça, à partir de 19h, nous redémarrons le programme de délivrance. Et nous avons le culte dimanche, tous les dimanches comme d'habitude, tous les dimanches des cultes bilingues, c'est-à-dire c'est traduit en anglais. En anglais. Allez, donc c'est un programme très très riche. Oui, très riche, tous les week-ends pratiquement, c'est comme ça, tous les week-ends. Nous démarrons à partir du mercredi jusqu'au dimanche. Mais par contre, tous les jours, vous pouvez appeler pour des rendez-vous. Voilà, donc n'oubliez pas cette veillée de ce soir et la rencontre de demain. Et celle aussi du dimanche sur le culte. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir accès à Zaroko? Non, les conditions sont tellement simples, c'est de se rendre à la gare. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore Zaroko, vous rendez à la gare de Iré, c'est à Konakrola, au Vatican, je crois, au Vatican. Oui. Vous rendez là-bas, et vous directement, vous vont conduire à Iré. Dès que vous êtes à Iré, vous demandez la gare de Zaroko. Vous demandez la gare de Zaroko. Dès que vous êtes à Zaroko, vous demandez... Le camp de prière, en fait. Je suis le chef de tribu du village. Oui. Voilà, donc tout le monde connaît le... Ouais, comment tu vois? Merci beaucoup. Ouais. Alors, donc, à mes auditeurs, c'est dit, c'est annoncé, longtemps tu souffres, longtemps tu ne comprends plus rien dans ta vie, les échecs, la maladie, et puis des blocages de tout genre, tu ne sais pas qui sont ceux qui te fatiguent véritablement, certainement c'est les sorciers, certainement c'est ton entourage, même dans ton service, on te poursuit, n'est-ce pas, parce que tu veux émerger, tu veux éclore, et le sorcier, le méchant, n'est-ce pas, t'empêche d'évoluer. La seule solution, n'est-ce pas, c'est de te rendre ce soir à Zaroko. Alors le prophète vient de le dire, il suffit d'emprunter. Oui. À la gare de Iré, tu descends à Iré. Oui. À Iré, tu cherches à voir la gare de Zaroko. Et puis, alors, pour ceux qui paient le transport, ça peut revenir à combien? Parce que du coup, Iré, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Iré, Zaroko. Je crois que ça doit 300, 400 francs. Ok. Donc, avec 5000 francs. Ça finit le séjour assuré. Le séjour assuré. Ouais. Alors, pour ceux qui vont notamment prendre part à cette veillée, est-ce qu'on doit bouger avec une natte? Est-ce qu'on doit bouger avec quoi? Oui, un saut. NAT c'est trop exagéré, NAT c'est pour donner l'esprit de sommeil aux gens, mais je pense que les dispositions sont là, déjà tout est bien mis en place, nous avons déjà tous les chaises sont là, comme ça, tous les mercredis à partir déjà de jeudi, la mise à place de tout, c'est-à-dire que la sono est déjà là, nous allons renforcer ce matin encore la sonorisation, nous avons des instrumentistes qui arrivent d'habitude dans le bassiste et tout ça. Nous aurons, c'est pour ça que je t'ai demandé de m'envoyer les questions basses. Nous aurons non, ça dit que le son sera digital aujourd'hui. Le son digital. Nous avons aussi les techniciens qui arrivent aussi d'Abidjan. Oui. Donc tous les génies, c'est comme ça, la mise en place. Nous aurons déjà des chaises, nous avons des trucs. Donc ceux qui viennent déjà, nous aurons déjà des chaises. C'est ça. Voilà, tout ça. Donc, mais gloire à Dieu, parce que dans le village, déjà, pour ceux qui veulent s'alimenter, il y a la nourriture. Il y a la nourriture achetée, tout ça. Après cette veillée, il y a un convoi, bien sûr. Pour ceux qui sont des divots, vous pouvez vous rendre directement au centre de cours de prière, ici, juste derrière la Sainte Pièce. Oui. Ça arrive à 2000 francs. Au lieu d'aller à Divo, vous rendrez au centre de cours de prière à Sainte Pièce, ici. Oui. Et vous ne ferez qu'appeler au 32 76 38 90 ou au 47 07 23 28 pour vous inscrire par rapport au convoi. C'est l'aller-retour fait. 2000 francs. Ok, alors c'est intéressant. Aller-retour 2000 francs. On va rappeler les différents contacts pour les réservations. Voilà, les réservations, le convoi démarre à partir de 15h. À partir de 15h, aujourd'hui à partir de 15h. Oui. Ça part de mon cabinet jusqu'à Zaroko, c'est comme ça tous les week-ends d'ailleurs. Et le convoi revient à 2000 francs. À 2000 francs. Au lieu de prendre de 1000 francs à Iré, de Iré à Zaroko, qui va te revenir plus cher. Oui. Donc, vaut mieux prendre déjà. Eh bien, prophète, on va rappeler les différents contacts pour pouvoir réserver, parce que déjà beaucoup sont à l'écoute et beaucoup ne voudraient pas rater cette nuit de délivrance et de guérison. Il faut dire que Dieu se cherche, on le cherche, on le trouve. Oui. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout cœur. C'est pour cela que maintenant même, c'est vrai que j'indiquais aller à Trumain. Tous les vendredis, il y a un convoi depuis mon cabinet. Mon cabinet se trouve
derrière la sainte pièce de Divo. Vous rendrez le convoi démarre le cadre par démarre à partir de 15h. Donc vous rendez au cabinet d'abord voici les contacts. C'est le 32 76 38 90 ou le 47 07 23 28 ou le 07 92 99 11. Vous appelez déjà les secrétariats, vous réservez une place aller-retour pour Zaroko. 2000 francs. Au lieu de dépenser plus de 5000 francs, c'est ça. Vous avez 2000 francs à dépenser. Et après, juste après la veillée, le convoi vous ramène à Divo et nous aurons l'occasion de vous recevoir à partir de 16h. Alors, donc tu atterris à Zaroko KO, oui, tu en ressors, ok. Ok, voilà. Allez, mes auditeurs, ne vous faites pas raconter cet événement de taille, c'est le Christ qui est au rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, si tu es à l'écoute, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Tout à fait. Ah oui, Jésus-Christ a un plan pour toi. Voilà. C'est pour cette raison qu'il nous fait grâce de mettre à notre disposition ce grand serviteur de Dieu que le Seigneur utilise efficacement, qui n'est plus apposanté en Côte d'Ivoire, c'est un don de la Côte d'Ivoire, mais qui est sollicité sur le plan national et sur le plan international. Ah oui, c'est annoncé. Aujourd'hui, c'est le grand concert, c'est la délivrance. Oui, la délivrance et tout puis, ça. Ben, en tout cas, un grand très riche. Très riche parce que c'est la dédicace. Oui. En fait, c'est pour jouer tous mes morceaux en live. Oui. Je jouerai tous les morceaux en live par la grâce de Dieu parce qu'on a tout dernier album qui n'est pas encore sur le marché, c'est mais ça. Qui cartonne sur les médias, c'est-à-dire sur la chaîne 1, sur la chaîne 2, nous avons les vidéos, les clips vidéo. Nous avons aussi sur Nostalgie, nous avons aussi sur Fréquence 2, la chaîne nationale, la radio nationale. Mais en même temps, bientôt, parce que non, je m'apprête pour aller à Paris. Et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas rater cette occasion. Parce que à partir du 15, déjà, nous serons à Paris, par la grâce de Dieu, où nous aurons les tournées au niveau des villes parisiennes françaises. Et après, ça sera à Londres. Nous aurons aussi la grâce de tourner dans les villes britanniques. Et par la grâce de Dieu, je serai aux États-Unis dans le mois de mai. Donc, déjà, nos activités ont démarré. Il ne faut pas rater, parce que chaque homme de Dieu a son don. Et chaque homme de Dieu est spécialisé dans un domaine. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il suffit seulement de te connecter à ce ministère et tu verras ce que Dieu fera puissamment dans ta vie. Parce que même hier, sur le Skype, j'ai changé avec une femme qui était au Canada. Pendant que je parlais avec elle, elle a commencé à saigner parce qu'elle sentait comme des bêtes au bout de sa tête. Pendant que je parlais avec sur le Skype, elle a commencé à saigner du nez. Elle a voulu cracher l'élasticot qui est tombé. Donc c'est un puissant témoignage. Même sur le Skype, il y a des gens qui guérissent. Je vous dis, ne rate pas. Toi qui es dans le lot du bois, il faut, c'est une occasion que Dieu t'offre maintenant. Ne rate pas cette grande veillée de prière. Tu es malade. Et cette maladie ne peut pas être guérie par la médecine. Et parce que le monde spirituel est une réalité. Viens à cette rencontre et tu verras Jésus-Christ te délivrer de cette maladie, te délivrer des blocages. Il faut que tu te maries parce que ça fait partie de la destinée. Quand on n'est pas marié et on a vraiment tous les problèmes, il y a la dépravation qui s'installe et l'instabilité. Aujourd'hui, Dieu que nous prions est un Dieu de prospérité. Venez à cette veillée de prière, c'est à Zaroko. Il y a un convoi depuis Divo à mon centre de délivrance, dont je répète, je reprends les numéros, c'est le 32 76 38 90. Il y a le 47 07 23 28. Appelez à ces numéros, ils vont vous réserver une place. Le convoi démarre à partir de 15h et la veillée c'est jusqu'à l'aube. Et puis le convoi vous ramènera Divo et nous allons poursuivre encore le programme demain samedi à partir de 16h. Les séances de consultation, nous démarrons le programme de délivrance à partir de 19h et nous aurons grand culte d'action de grâce et de délivrance et témoignages, parce que nos cultes sont des témoignages de la puissance de Dieu, où les sorciers sont obligés d'avouer, de faire des aveux. Nous ne faisons que ça, c'est notre spécialité. Il faut détruire cette présence qui est la sorcellerie dans vos vies, afin que tu puisses vraiment émerger. Parce que Dieu n'a jamais créé de personne unique sur cette terre. Il n'y a pas de personne unique. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon, mais malheureusement, il y a quelqu'un dans ta vie qui t'empêche d'émerger. Viens, nous allons le mettre au pas au nom de Jésus. Amen. Eh bien, homme de Dieu, déjà ce matin, pour ceux qui vous ont écouté hier sur nos antennes, est-ce que vous recevez ce matin? Oui, tout à fait, tout à l'heure, à 9h. À 9h, à partir de 9h, mes auditeurs, allez, tu ne comprends pas ta vie, tu veux comprendre des choses sur le bon fonctionnement de tes activités, les blocages, tes maladies et autres. Allez, tu te rends tout de suite, n'est-ce pas, au siège d'écoute, bien sûr. Le cabinet d'écoute. Le cabinet d'écoute du prophète Crasso, le maréchal. La brigade anti-sorcier. Juste derrière
La Sérénienne yes, de Divo. De Divo. Allez, nous allons encore rappeler les différents contacts et puis on va se donner rendez-vous pour Zaroko. Voilà, les différents contacts sont souvent le 32, le 76, 76, 38, 38, 90, 90. Il y a le 47, 47, 07, 07, 28, 28, pardon, 23. Oui. 28. On va reprendre. 47. 47. 07. 07. 23. 23. 28. 28. Vous avez aussi le 07. Le 07. 92. 92. 99. 99. 11. 11. Eh bien, merci beaucoup, grand serviteur de Dieu, le maréchal, le prophète Crasso. De la brigade. De la brigade. Très bien, de la brigade, en tout sens. Voilà. Allez, lui, c'est sa spécialité. Oui, c'est ma spécialité. Voilà, n'importe quel sorcier. Donc, moi, je vous demande, comme je vais faire au pays. Il faut que je m'habitue. Le maréchal la brigade anti-sorcier qui combat les soubaras, les mangeurs d'armes. Et c'est effrayant parce qu'il y a des gens qui s'alimentent parce que nous mangeons garba et passons-t-on. Eux, ils ne mangent que l'âme des gens. Ils les mettent, les fait en soubras, les mangent. Nous les mettons ou pas. Allez-y dans mon sang, vous allez voir les sorciers en train de pleurer, en train d'avouer leur forfait. À bon entendeur, salut hein. Pour ça. Donc, je veux que les sorciers soient un jour invités à une plateforme ici de radio. Vous allez voir comment ils vont baver. Ah pour oui. Reconnaître la puissance de Dieu. Ah non, oui. C'est pas du blabla. Moi, je n'aime pas parler ceux en train de bavarder. Pour nous, c'est plus pragmatique. Oui. Moi, je vais lancer un grand défi au prêtre Godou de Togo. Ils ont parlé, ils m'ont appelé, ils ont parlé. Dès qu'ils sont arrivés devant la prison togolaise, on pensait avoir diarrhée, ils ne pouvaient pas s'approcher de la prison ivoirienne parce qu'elle était, n'est-ce pas, barricadée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Oui, ouais, toute l'armée céleste était déployée ce jour-là à la télévision togolaise. Donc, je vous dis, c'est pas du blabla. L'Afrique veut émerger, mais a commencé à détruire les yeux de la société. Depuis que nous sommes dans le Vata, aujourd'hui, le constat est fait, le développement en train de rentrer dans le Vata. C'est ce qui est vrai. En 2012, nous étions dans la région de Sassandra, le Bas-Sassandra. La côtière qui était dégradée a commencé. Ils ont refait la côtière. Et quand j'étais dans le Vata, j'ai précisé très bien que pendant qu'ils seront en train de combattre la sorcellerie, vous allez voir qu'ils ont refait l'as d'Ivo et Oumé, c'est fait. C'est en train d'être fait. Oui. Et cette mère de Dudogo en train d'être construite. Et gloire à Dieu. C'est pour dire, là où la sorcellerie est combattue, le développement s'installe. Alors, voici l'opportunité. Dieu nous utilise pour vous apporter beaucoup de bonheur, pour beaucoup de gâté. Ne manquez pas cette veillée ce soir. Shalom.